Bonjour, je suis Patrick Diz, je suis l'administrateur du domaine de Courances. On est au sud de Paris, près de Milly-la-Forêt, 50 km au sud de Paris. Pouvez-vous nous parler de l'histoire du château ? Alors Courances tient son nom a priori d'eau courante. On a 17 sources et 14 bassins dans le parc. On est entouré d'eau. Et il y a à peu près 500 ans d'histoire, surtout du parc. Le château a été la propriété de 4 grandes familles, aujourd'hui la famille Ganet. Donc c'est un château privé qui détient encore beaucoup de ses dépendances et aussi beaucoup de terres. On a une grande activité agricole dans la plaine avec une activité agricole en bio et pas mal d'activités maraîchage, restaurant donc ça nous occupe bien, voilà. Le château, lui, n'est pas visitable ? Si, le parc et le château sont ouverts à la visite en saison, début avril jusqu'à fin octobre. Le château lui-même est fermé juillet-août parce que la famille est très présente. Mais non, nous sommes bien ouverts au public. Nous avons à peu près 20 000 visiteurs par an. Le parc est vraiment un endroit remarquable par ses bassins. Et on peut s'y promener jusqu'à la tombée de la nuit. Et la superficie du parc ? Alors le parc Claude Mur fait 75 hectares. Le parc entretenu, c'est-à-dire tondu, taillé, fait à peu près 30 hectares. C'est une très belle représentation d'un parc avec ce paradoxe d'avoir été un parc dessiné à la française avec sa rigueur du tracé, mais avec après-guerre la décision de réduire l'entretien, c'est-à-dire de ne plus avoir d'aller en gravillon, de ne plus tailler les arbres en rideaux. Ce qui réduit beaucoup le coût d'entretien. Pour un domaine comme celui-ci, c'est ce qui est très important. Et donc, il y a un côté assez contemporain, très épuré, moderne, qui fait toute sa beauté. Au niveau de l'habitation des propriétaires, c'est tout le château ou une partie ? Alors, il y a une partie qui est ouverte au public, mais le château est habité dans sa totalité. Aujourd'hui, ce sont 4 sœurs qui sont propriétaires, donc elles ont chacune... leur appartement dans le château. Et au niveau de l'année, du début de la construction jusqu'à la fin ? Alors le premier propriétaire était Côme Claus, donc chancelier du roi vers 1480. C'est lui qui a vraiment commencé déjà par construire un château, c'était un manoir auparavant. Les douves qui étaient des raisons de protection sont passées à des raisons esthétiques. Et puis on a eu trois autres grands propriétaires qui ont rajouté au bassin, qui ont rajouté au dessin du parc à travers les siècles. Donc on dit qu'on a 500 ans d'histoire de jardin à Courances. Nous, des arbres, il y a des types d'arbres et les années ? Alors, surtout les platanes. On a, derrière vous, on a une allée double de platanes qui date de 1780. Les platanes sont très bien à Courances, même si par la quantité d'eau qui est peu profonde, les racines ont tendance à pousser horizontalement et pas verticalement, ce qui est toujours un risque avec les tempêtes qu'on a malheureusement de plus en plus. Vous devez être heureux de recevoir le Toronto. Oui, c'est toujours un grand plaisir. C'est pas la première fois, je crois que c'est la troisième fois maintenant. Le Toronto nous fait très plaisir parce que déjà visuellement c'est absolument magnifique et je trouve que ça correspond très bien pour le parc. Et voilà, ça dure peu de temps, mais je pense que tout le monde y prend plaisir.
Parmi toutes les voitures qu'il y a, vous avez des préférences dans le lot ? Moi, je suis moitié britannique, donc j'ai une préférence pour les anglaises. Mais non, je trouve que les 220 voitures qu'on a vues aujourd'hui, elles sont toutes d'une manière ou d'une autre remarquables. Est-ce que vous êtes passionné de voitures anciennes ? Oui, je pense que je peux dire que je suis passionné. J'ai une vieille MG de 66 et j'ai une vieille Land Rover Defender de 77. Avoir vu le Tour Auto de cette année, ça vous donne peut-être envie de le faire vous-même avec une de vos anciennes, elle est éligible? Alors, pour rien vous cacher, j'en ai parlé à mon épouse. Ce serait avec grand plaisir. Malheureusement, mon rôle à Courance est très prenant. Et je pense qu'il faudra que ça attende un peu, quelques années encore. Vous avez un calendrier avec des manifestations organisées? Alors, un calendrier, oui, nous avons certaines manifestations comme pendant les journées du patrimoine, on fait une ouverture du parc pour les voitures anciennes avec pique-nique. C'est-à-dire que vous venez avec votre pique-nique et votre voiture ancienne, vous pique-niquez dans le parc. C'est le seul moment de l'année où nous autorisons les pique-niques et ça permet un aspect plutôt sympathique dans le parc. Y a-t-il un site internet où on peut vous retrouver? Oui, absolument. C'est www.domainedecourance, tout en attaché, .com. On vous remercie. Merci à vous.